dégg naa effectivement muy wax. Ci juridiction nga nekk. Dama ne dégg naa muy wax. Nekk juridiction c' est n' est pas le subir. Da nga war a respecté règle commune bi. Bu nekkee ci erreur di wax yenn affaire yi parce que moom c' est vrai on le voilà il adore le show. Fa la ngay show c' est lui le showman. Mu nekk di wax je vais le citer textuellement et va ça va être rapide réponse avec des preuves à l'appui. Dakar Demdik ne jouit ni de l'abus, ni de l'usus, ni du fructus sur le foncier qui est mis à sa disposition pour un dépôt. Néna, Dakar Demdik amul pouvoir jaay soufam. Il a dit de usus, fructus, abusus, droit de propriété. Avocat moy wax ak yow légui. Gis nga droit du affaire tiaxan li nga jangul do ko tari. L'usus, c'est l'usage d'un bien. Du deug. Est-ce que Dakar Demdik mi ngi am usage dépôt? Oui. Donc bu ne aw ma usus, il raconte sa vie. Deuxième chose, mi ngi may dégg. Nee na amuñu fructus. Mooy tirer les fruits de ce bien là bi nga xam ne mi ngi si ñun ñoo ko yor. Te maa ngi nii naa la woon kër yi woon ni am nañ ko. Man bu ma amul woon fructus ba di si tirer les fruits pourquoi lui il quitte sa mairie ñëw fekk ma sama bureau ne ma naa ko loué une partie du dépôt daf ko bëgg a def fourrière. Ànd ak son assistante boo xam ne tey sax déggootuñ moom xam na ko may wax. Juliette Zinga. Tout à fait. Juliette Bëlle témoigne ñëw na sama bureau Barthélémy ne naa ko loué moitié dépôt bi daf ci ko bëgg a def fourrière ma ne ko aw ma place du ma la ko jox. Tey mu ni aw ma fructus. Buy wax droit na xam lu muy wax te nit day am kaddu daaw ak kaddu ran mu nekk ci benn man loolu li ma xamee. L'état du Sénégal a mis le foncier à la disposition de Dakar Demdik pour une mission de service public. Abusus, céder son droit de bail dans une société. Dakar Demdik, bu fekkee jàngul droit dama koy jàngal. C'est les choses sont très claires. Cette société-là, qui mooy création Dakar Demdik en 2000 avec le notaire Patricia Lake Diop. Bu ñu nee statut déposé au registre du commerce on écrit clairement à la première page que c' est une société anonyme privée c' est pas un établissement public avec participation publique majoritaire. Dakar Demdik du état rek GIE ànd liggéey jëriñu GIE solidarité Senart assurance Senecar Tour ñoom ñoom ce sont des actionnaires dedans. Ministère transport ministère. Non. Des finances. Non, non, non. L'État représenté. Représenté, par oui. Représenté. L'État là-haut. L'État. Représenté. Donc, bon, Khamoul, ne raconte pas des histoires devant les gens. C'est le conseil d'administration, Mofanek, de contrôler l'activité du directeur général. L'IMOI, on te lit, c'est enregistré. Hein. Voilà les statuts de Dakar Demdik. Si Dakar Demdik peut vendre son foncier, pendant qu'on y est, l'hôpital principal peut se réunir et dire qu'il y a une façade maritime derrière, ils vont la vendre. Pendant qu'on y est, la RTS peut dire que le parking qui fait face à la place, il est bien placé, ils vont le vendre. Pendant qu'on y est, l'hôpital Abbas Ndao peut en faire de même. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, toutes ces structures n'ont jamais acheté leur foncier. Ils ne jouissent ni de l'usus, ni de l'abus, ni du fructus. Vous faites que, qu'est-ce que c'est qu'une société anonyme, maintenant, dem xol également. La Sénélec. La caméra voit ce que je dis. La Sénélec, c'est une société anonyme, à participation publique majoritaire. Et je pense que Mini. Mais cela ne vous donne non, pas non, attendez. Aussi, si, si. Moussa Diop, si, si. Le droit de faire ce que vous voulez. Non, non, pas ce que je veux. Moi, je ne fais jamais ce que je veux dans ce pays. Je fais ce qui doit être fait. C'est un patrimoine national non, aussi. Dégloumou. Même vous faites que vous êtes une société anonyme à participation publique majoritaire. Non, 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 non. Pendant qu'on y est, la RTS peut dire que le parking qui fait face à la place, il est bien placé, ils vont le vendre. Il a cité la RTS. La RTS, c'était ORTS jusqu'en 1992, depuis 1973, n'est qu'un établissement public, administratif. Donc, Mounoul Diaye, tant qu'État bi jaayul man Dakar Demdik peut vendre ses biens sur respecter les formes avec autorisation du conseil d'administration.
pendant qu'on y est, l'hôpital principal peut se réunir et dire qu'il y a une façade maritime derrière, ils vont la vendre. Comment ça statue une société? Nous, on est un hôpital principal également. Mounoudjaï, parce que l'hôpital principal, c'est un établissement public. C'est pas une société anonyme privée. Pendant qu'on y est, l'hôpital Abbas Ndao peut en faire de même. Ngadem Abbas Ndao, Khamoul, Abbas Ndao aussi pareil. C'est écrit normalement avec la loi 2003-01 du 2 janvier 2003 qui confère le statut d'établissement public. C'est un public monogai. Société anonyme, mais respecter les formes. Ce que je veux dire par là, toutes ces structures n'ont jamais acheté leur foncier. Ils ne jouissent ni de l'usus, ni de l'abus, ni du fructus. C'est clair et net, il ne sait pas la différence entre c'est une société. C'est pas parce qu'il respecte les formes en ayant l'aval du conseil d'administration que l'ingénieur de def c'est moralement légal. Parce que moralement légal, amour. Non. Légal ou moral? Il y a une moralité et une vision futuriste. Moko nangoul. Société anonyme, d'accord. Domaine privé, d'accord. Non, bref. D'accord. Déclarer n'encore. D'accord. Tout ça, d'accord. Légalement. Légalement. Vous mais avez moralement, la légalité. Mais moralement, acti ko xamné am nga vision futuriste, yow amulo droit parce que am nga la bénédiction de ton conseil d'administration, ñen lënkolo di jël ay soufu patrimoine de société bo xamné, c'est un patrimoine de tous les Sénégalais diko jaay. Deux choses. C'est ça le problème. Ben en fait. Légalité, c'est un problème de moralité non. Et de vision qui man se pose. Je n'ai pas fille pour plaire à qui que ce soit. Je suis là pour mais on faire... ne demande non. pas de plaire. Non. Moralement, on demande de penser aux générations futures. Les générations futures. Demandez, il y a un dépôt qui a été créé à UBS. Je suis d'accord avec les lignes que j'ai données. La majeure partie des lignes sont des lignes de banlieue. Je pouvais même me permettre de dire que sur 36 lignes ou 37 lignes, mené peut-être une dizaine, il y en a que des lignes urbaines, P10, P9, P13, oui. L'Oudès Liep, c'est des lignes de banlieue. Pourquoi je ne mettrais pas mon dépôt en banlieue? À la sortie de Dakar, pourquoi pas? Pourquoi je suis obligé de rester ici? Mais pourquoi non, aussi, vous aurez dit le souffle suffit de concéder à des sociétés? Mais, on le cède à qui et on puis, veut. Et puis, vous cédez un bail, vous n'avez, selon Barthélémy Diaz, quand vous avez le bail, del ben parti bi diko jay non yaangi confondre nak Barthélémy sax bu la dégo dañ nan yaangi confondre deux dossiers le mot confondre Barthélémy parle de sur la façade maritime fek na fa 4000 m² ben nit bo xamné amna ben autorisation de construire buñ ko joxé fan.e té mom moko waron signer néna koku dafa jël moitié bi jaayat ko c'est pas dem dik il était sur le littoral di wax lolu donc ça ne concerne pas dem dik lumu mom la jay autorisé et en respectant toutes les formes. Alors eux, ils se réunissent et ils disent que ils ont vendu à l'APR à 500 millions une assiette foncière. Dès que nous avons aussi, tout de suite là, parce que je ne veux pas le nous encore, de quoi on a vendu les terrains à 500 millions de francs. Où tire-t-il l'information? Ça, c'est la bande que nous avons, notre droit. Les autorisations du conseil d'administration. Bala ñuy jaay dañu def expertise foncière moy tok rek di bradé qui expertise là fait par un expert judiciaire évaluateur immobilier agréé par les cours et tribunaux. Moi je ne parle pas de ceux qui bavardent là, je parle de choses concrètes avec des preuves. Néna dañu jaay terrain bi à 500 000 francs. Premier terrain bo xamni autorisé nañ ko ñu jaay ko légalement. Bo ñu ko défé le prix de cession mi ngi ni. Prix de cession en bleu, 1 milliard. Mais le mètre carré, non, attendez. 600 000 francs là. Non, demain, ou 500 000 francs. T'as quoi, ma réunion, expert, man, lui m'a déjà dit, madame, mon adorable expert. Le mètre carré. Barthélémy Diaz. Le mètre carré. Qui zone, bi Dakar, dem dik nek. Le prix du marché, c'est 600 000 francs. Demain. C'est pas 500 000. Donc l'expert raconte n'importe quoi. Man, d'où ma expert, d'où expert, Barthélémy Diaz, expert. Il est agréé, assermenté, il a prêté serment. Lolo, ce fait qu'il n'a pas de wax comme Barthélémy de faire un tribunal. Mais pourquoi il ne saisit pas les tribunaux? Il n'est pas bavardé devant la presse. Conformément à l'expertise, nous avons vendu conformément à l'expertise. Deuxième session. Autorisation, il y a une deuxième autorisation. Qui s'est montré Dakar de me dire que mon souffre conservation. Qui a payé l'assiette foncière? Devant quel notaire? Qui a cotisé 500 millions?
Mais monsieur le maire, on osera le dire. Bob Nidia également, il parle de 500 millions. Lolu motax diffamer bakul. Ça c'est munim amul ben quel est le notaire qui a parlé? Faut que ce notaire ce dossier. Je le cite, qui a payé cet argent et devant quel notaire? Ça c'est pas un acte notarié. De Tamaro Seydi. Non, deugul ma rek. Qui c'est pas un acte notarié? C'est pas Tamaro Seydi ça. Balen de personnaliser. Maître Moustapha Ndiaye. Demane. Bu ñëk ni Tamaro Seydi. Xaram ñew. Moi ce qui m'intéresse, c'est des gens assermentés. Moi je suis avocat, quand j'ai commencé à travailler, j'ai prêté serment. Le policier, il prête serment. Un notaire, il prête serment. Est-ce que devenez amul notaire démenti formel devant vous, madame Mouna? 500 millions là. Est-ce que nous avons 500 millions? Vous savez, même les chèques, je les ai. Parce que tchao laï khar souba. Premier chèque de banque, 600. Bon, du coup, complété par un chèque de 178 millions. La copie du chèque est là. 178 millions plus 600. Défait le calcul, blablabla. 778 millions. L'outil est 220. C'est ça, hein? Oui. Attestation également, décharge. 222 millions. Bon, tu ok, le tout, nous devons déposer sur le compte de Mdik. 222 millions. Le tout, ça fait 1 milliard. Je vous amène ça. Alors, maintenant, je vais plus loin. C'est toujours parce que nous avons un notaire. Nous ne savons pas ce qu'on a dit, nous ne savons pas ce qu'on a dit. Parce que moi, quand je m'attaque, je m'attaque avec des preuves et ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. Si on veut que le Sénégal soit dans le canon, nous devons diffamer. Surtout si on est calife. Parce que Bethlehem Diaz est calife, c'est un maire. Quand le chef de l'État, M. Macky Sall, m'entend, il construit le siège de la paix sans permis de construire. Mais que voulez-vous que les autres Sénégalais lambda fassent? Il l'a fait. Il a construit sans permis de conduire? Sans permis de construire, parce que j'ai refusé de signer à la paix un permis de construire pour un conflit d'intérêts manifeste. Si vraiment, les gens l'ont entendu également, M. Diaz du Kawar Dinan, oui, j'ai refusé de signer à l'APR un permis de construire pour conflit d'intérêts. C'est un maire. Nous voyons ce que c'est que l'acte 3 de la décentralisation. Je l'envoie à l'article 124. Parce qu'il ne comprend rien. Il est trop jeune pour comprendre. Je l'envoie à l'article 124. L'humour. Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu des articles 118 et 122 du présent code ne font pas obstacle au droit du représentant de l'État préfet de prendre pour toutes les communes d'une circonscription ou pour une ou plusieurs d'entre elles ou dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales de prendre toutes les mesures relatives au maintien de l'ordre de l'OIEP. 121, dans le cas où le maire refuse ou néglige de faire des actes qui lui sont prescrits par la loi, quand le maire refuse, comme il le dit, ou les règlements, le ministre chargé des collectivités locales, saisi par le représentant de l'État, après mise en demeure, peut y faire procéder d'office. Il n'a rien compris. Il dit j'ai refusé. Les autorités ont passé dessus conformément au code. Il ne peut pas bouchonner. C'est quel conflit d'intérêts amenant. Selon lui, ce qui n'existe pas, il devait saisir le tribunal. C'est pas les tribunaux, c'est pas la rue. Quand un maire fait illégalement son boulot, les autorités passent dessus. Je l'envoie à l'article 128. C'est l'avocat qui parle. Donc, pour terminer sur ce point, nous avons fait tout dans la légalité. La dernière session, prix d'ec. Et je peux même vous montrer, le chèque. Vous savez, c'est de la documentation. Mais je me documente parce que plan légal, merci beaucoup, Maïmouna. Merci. C'est un problème moral. N'est-ce pas pour moral? Alors, on va terminer.